Bruce Lee n'avait qu'un paquet connaissances. Pour mettre coup de conge en long, en large et en travers. Il était maîtrise un pontier technique dans un tralé style bataille différent. Son curiosité était sans limite. Il a commencé à prendre tout ça là quand il était encore zenzan. Ek Ip Man en personne, le légendaire, le grand maître Wing Chun. Et qui, il a développé son base vitement. Oui, parce qu'entre parenthèses, quand tu fais l'effort d'apprendre des choses nouvelles dans des domaines différents, et ce, régulièrement, tu vas non seulement améliorer tes aptitudes nésiques, mais en plus, en expérimentant différentes techniques, tu vas accélérer ton process de mémorisation, que ce soit dans le domaine du corps ou celui de l'esprit. En gros, devenir un génie, c'est possible. Et si c'est ce que tu souhaites, je te renvoie pour mieux le comprendre à l'épisode 5 avec le neuroscientifique Andrew Huberman. Tu y découvriras les mécanismes qui se cachent derrière les apprentissages. Oui, oui, je suis bien en train de te dire qu'il existe un lien entre Kung Fu, neurosciences et développement personnel. Bref, Bruce Lee, ça met en place un base qu'elle a vitement maîtrisé parce qu'elle était vraiment vive dans son esprit aussi. C'est sous base-là qu'Elissa jamais arrête fait progresser. Il a étudié comment il pose l'opiaté avec la danse, comment il pique avec l'escrime, comment il poique avec la boxe, comment il bloque avec la lutte. À la fin, il avait un répertoire technique unique, original, exclusif, si à mes yeux. Le gars n'était pas seulement un nouveau style de maître, il était un visionnaire que tu veux dépasse les limites du style et de la maîtrise. Il te veut maîtrise la maîtrise, si vous voulez bien, en attaque et en défense. C'est comme à qu'il a créé le Jeet Kune Do, en prétendant quitte la tradition pour valoriser l'expression personnelle. Comme il a dit et que tout le monde l'a répété, trappe ça qu'on a besoin. Enlève ça qui ne sert pas où. Adapte tout selon la forme du corps et selon l'informe de l'esprit. Avec la volonté que le résultat ou des efforts, il sert à où, il renforce à où, et surtout qu'il sorte naturellement comme un réflexe. D'où son fameux The Famous, coup de poing miroir, qui permet à où à la fois attaquer et en même temps défendre à où. Si ça c'est pas la preuve, il avait compris le corps humain comme un savant la science bataille, comme un ingénieur philosophe, il appelle Pi Zéro. Mais il précise aussi qu'il n'avait pas rien que la bouche. Non, 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 l'ité fait pas seulement la théorie comme des trois, non, non, non. L'ité tellement rapide qu'il était obligé de faire son banc de mouvement au ralenti. Oui, ça qu'on voit dans le film, c'est au ralenti, ça. Parce que sinon, la caméra, t'es voit pas lit. T'es voit pas lit. César, voici Cartapus, notre meilleur espionne. Ave César, aspect robustesse. Cartapus est une professionnelle. C'est la reine du camouflage. Exécution. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus. On me voit, on me voit plus, on me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus, on me voit un peu, on me voit plus, on me voit. Ah, c'est surprenant. Ah oui, oui. Ah. Là, t'es pas en forme.